Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV et veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Je suis connectée ce soir. C'était pas à la base, c'était pas pour faire un direct sur Stéphane. Ça fait 3 fois qu'on me ramène des commissions venant de Stéphane. 3 fois. Ce soir, je viens de recevoir encore la même commission. Je veux vous prendre en témoin ici. Déjà, je me présente, sinon le direct n'a pas de sens. Je suis Aya Robert, dit chinoise de la Eurogang, chinoise de DJ Arafat. C'est de ça qu'il s'agit. Désormais, bam. J'ai envie de vous dire les choses. Hein? Désormais, dame Song. Donc, faites pas attention à mon front là. Il fait coin mon front ici là. Vous voyez que c'est un peu enflé, non? Ça me fait très mal. Tu vois, quand je parle de mon chéri, je suis. Enfin, c'est les choses de l'amour, quoi, en fait. Je fais pas exprès. C'est pas pour me donner un genre. Mais quand je parle de lui, je suis toute excitée, je suis toute heureuse. Voilà. Je vous avais promis un direct de cassement de papeau sur l'histoire mariage biscuit demain. On va le faire demain. Demain soir, on le fera. On fera ce direct-là à 22h. Inch'Allah. Et puis, dans l'après-midi, on fera un direct sur Christina Digi. Plein parmi vous ne la connaissent pas. J'ai vu son interview sur la 3 et j'ai des vérités à dire. Donc, demain dans l'après-midi. Je me connecte parce que je suis rentrée à la maison. Enfin, j'ai dormi un peu, mangé, tout ça. J'ai dormi en 30 minutes de temps de regarder, mes replays. Je dis, j'allais faire le direct à 23h. Et puis après, je reçois un coup de fil. Je suis une personne, hein, pour ceux qui me connaissent, en amitié, je suis très réglo. En amitié, je ne suis pas celle-là qui trahit. En amitié, je ne suis pas celle-là qui trahit. Je ne trahis pas en amitié. Moi, si je suis avec toi, je suis avec toi. Si je dis que tu es ma personne là, tu es ma personne, je ne trahis pas. Je ne trahis pas en amitié en fait. Voilà. C'est moi qu'on trahit toujours. Et comment il rebondit là, c'est violent. Ça dit que ça fait que je dégoûte aux gens. Parce que je ne fais pas ça doucement. Moi, je rentre en profondeur. C'est de où tu penses pas, c'est là-bas je rentre. Et puis, je n'ai rien à foutre. Stéphane, tu fais tes trucs là sur Facebook. Si depuis, les gens parlent et puis je calme les gens là, c'est à cause de ta maman. C'est à cause, c'est ta mère, hein? Mais j'ai beaucoup de respect pour elle. J'ai beaucoup de respect pour ta maman. Je ne la connais pas. Elle ne me nourrit pas. Je ne la nourris pas. Mais du fait que c'est une maman qui a pris son temps un jour pour me donner le respect, qui m'a célébré le jour de ma naissance sans me connaître, et qui, avec qui je discutais parce qu'on a arrêté de discuter sur WhatsApp, et qui m'a considérée comme sa fille. Je me dis que tu es son fils unique. Donc, je ne me vois pas en train de me prendre la tête et toi sur Facebook. Voilà. Parce que si je viens me prendre la tête et toi sur Facebook, c'est de me prendre la tête avec ta maman, en fait. C'est pas parce qu'il y a peur de toi. C'est pas parce que tes commissions que tu laisses aux gens, je ne reçois pas. Mais je ne rentre pas dedans. Mais ce soir-là, ça fait 3, c'est trop. Ça fait 3 commissions, c'est trop. La première fois que tu as fait, je suis allée parler à ta maman. La deuxième fois, je suis allée lui parler. Parce que je peux me lever. Ça veut dire, moi aussi, elle me lève sur toi. Ta carrière de Facebook, de Starmania, là. Il va mettre fin. Ça veut dire que ceux qui parlent, là, ils ne maîtrisent pas le sujet. Je ne vais même pas mêler tes parents. Il y a tes parents.
Il va te faire ta peinture, ta toilette, il va te descendre. Mais si je ne le fais pas, c'est à cause de ta mère. Si jusque-là, je te donne du respect, c'est à cause de ta mère. Si jusque-là, tout le monde t'insulte et moi, je ne le fais pas, c'est à cause de ta mère. Tu laisses des commissions aux gens, que quoi? La première fois, c'est une vieille mère, tu sais, tu l'as appelée pour lui dire, dis à Aya que une fois on était au téléphone, elle parlait de Yaka, je l'ai enregistré, je vais venir mettre. J'ai reçu la commission, il n'est pas parlé. Une deuxième personne est venue me dire, tu allais l'appeler encore. Une personne est qui ton encore, mais tu allais l'appeler. Oui, j'ai les papos. Un jour, Aya parlait de Yaka, je l'ai enregistré. Si je mets, Stéphane, il faut mettre. Aujourd'hui, encore la même chose, on me répète. Apoutou, tu attends quoi? Faut mettre. Faut arrêter de jouer les lâches ou bien. Aïe. Toi, tu te promènes en enregistrement. C'est pour toi, tu connais. Arrête d'appeler les gens pour me donner commission. Je dis, enregistrement que tu as de moi, il faut mettre. Tu vas comprendre. Faut mettre. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Je ne me reconnais pas dans ces dits-là. Mais il faut mettre. Si tu as vraiment dans un des enregistrements où je suis en train de parler de Yaka, moi, je te donne l'autorisation ce soir de mettre cet enregistrement-là sur Facebook. As compris? Ce que tu effraies, c'est pas moi. Ce que tu effraies, c'est pas moi. Tu l'as fait avec une personne que tu sais que j'aime bien. Tu as eu la personne au téléphone. Tu as enregistré la personne. Tu prends l'enregistrement, tu fais écouter ça aux gens. Tu penses menacer qui est tes enregistrements, là, en fait. Essaye de me dire. Faut mettre l'enregistrement. Tu as confirmé le code. C'est moi qui t'ai dit ça. Tu vas confirmer le code. C'est pour toi, tu connais. Brassard d'enregistrement, là, c'est moi qui ai ça. Depuis là, hein, même quand je vois Yaka en train de parler de ta maman, je dis que tout le monde m'est témoin. Je l'appelle. Adresse-toi à Poutou, pardon, sa maman. Non, je ne veux pas. Même je ne veux même pas qu'il parle de toi. En fait, tellement pour moi, tu n'es plus important. Tu vois? Tellement pour moi, tu ne comptes plus. Tu vois? Tellement pour moi, tu ne m'intéresses plus. Tu es star. C'est pour toi seul. Tu as tes vues, c'est pour toi. Moi, je suis dans mon mouvement. Ne me mélange pas, toi. Sinon, même hier, la personne qui t'a mis en contact avec ta vie, la fille avec qui tu es tout seul là, hier, tout, comment vous avez commencé à parler? Comment tu as planifié ton truc de buzz? Et je dis que je ne parle pas de temps. C'est son mouvement. S'il a fait que ça a pris, ça a pris. Mais moi, Buzz, je n'ai pas eu l'an, il ne parle pas de temps. Voilà. Tu as géré ton mouvement, c'est ton mouvement. Ceux qui ont cru, ils ont cru. Ceux qui n'ont pas cru, n'ont pas cru. Je n'ai pas à venir. Parce que les Buzz, j'en fais aussi. Seulement que je ne fais pas comme toi, tu fais là. Chacun à sa façon. Tu vois un peu ce que je dis? Voilà. Tu laisses trop de commissions. Tu dis que tu m'as enregistré, je parlais de mon grand frère Yaka. Moi-même, je te dis, enregistrement là, il faut accoucher. Tu vois ce que je te dis, non? Faut accoucher l'enregistrement là. Tu sais, tu l'as dit à trois personnes qui me connaissent. Tu sais très bien de quoi je parle. Enregistrement que tu as. Où je suis en train de parler de Yakala. Je suis en train de parler de lui là. Apoutou, arrête de te jouer les gros lâches. Il faut mettre. Parce que si je me rappelle bien dans l'amitié, tu m'as dit que tu n'es pas hypocrite. Tu as dit que tu n'es pas hypocrite, mais tu fais de l'hypocrisie là.
Faut mettre. Mais, et puis toute la terre entière va voir. Quand tu vas commencer, tout le monde va voir que tu as commencé. Maintenant, moi, maintenant, je vais te montrer. Facebook, tu as venu me trouver dessus. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Tu vois un peu de quoi il parle? Je ne suis pas venue pour durer ce soir et toi. Parce que toi, la célébrité, c'est dans ta tête que ça se passe. Toi, dans ta tête, tu es star. C'est ton game. Moi, je n'aime pas forcer, forcer, forcer dans les gens. Tu vois? Moi, si je parle d'une personne, c'est la personne même qui vient vers moi. Je ne rentre pas dans une bosse des gens. Je suis. Force pas dans l'homme. Tous ceux que tu vois, tous les stars là, je ne suis pas allée vers eux. Ils n'ont pas. En conversation, c'est moi, Aya, je suis allée les écrire pour dire que je suis Aya. Une fois que je parle d'une star, si mon direct est bien, cette star-là me contacte, me dit merci. C'est ce qui est logique. Toi, tu as ta façon de faire. Toi, tu vas vers eux. Toi, tu. C'est-à-dire que. En fait, toi, tu es le plus grand critiqueur du monde. Mais en vrai, tu t'oublies. Tu t'oublies en fait. Hein? Parce que toi et moi, on se parle d'abord. Sur le nation. Nationalité là. On se parle dessus. Tu sais de quoi il parle? Et puis on rentre. C'est-à-dire qu'on fait un virage dans le côté de ta famille, non? On revenir sur affaire de France. Pour atterrir sur celle que hey, qui tu es là. Hein? On revient. Toi, tu es un plaisantin. Ah, c'est toi, tu es un plaisantin, même en fait. Tu es un gros plaisantin. Tu sais? Tu t'es levé, tu es allé me critiquer. Je t'ai rien fait. Je t'ai rien fait. Je mangeais toi. Je suis tout un toi. Tu te lèves, tu vas me critiquer bizarre. Toi et moi, on était plus ensemble. Il y a quand même ça qu'on le découpait. Il sait, parce qu'après, il lui disait. À un moment, je t'ai fâché avec lui, c'est toi, je t'ai. Ou bien, tu le sais. Et maintenant, tu vas t'asseoir pour me critiquer. Jusqu'à même parler de ma carte nickel. Tu sais. C'est-à-dire que si moi, on m'avait dit, je n'allais pas croire. Tu as été appelé. J'étais dans la conférence sans que tu ne saches. Et je t'ai entendu en train de me critiquer. Pendant que je ne t'ai jamais critiqué chez quelqu'un. Pendant ce temps-là, je ne t'ai jamais critiqué. C'est quand il était déposé. Faut dire ça aux gens. C'est comme ça, moi, là, je t'ai déposé. C'est pas affaire de où tu es venu t'asseoir pour dire que je ne fais plus partie du groupe. Je t'avais déposé bien avant que tu viennes faire ton direct. Tu m'appelais et ne décrochais plus. Je ne voulais plus te parler. Je t'avais déposé parce que je t'ai scandalisé de t'entendre. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Tu vois? Donc, du coup, je me suis retirée dans ton affaire. Donc, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, là, je ne te suis pas. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Je t'ai dit que tu allais me critiquer. Pendant que toi-même, tu parles de pour moi, là. Toi-même, tu n'as pas aussi. C'est quand tu vas t'asseoir pour parler de ça, de pour moi. Toi-même, tu n'as pas. Tu fais croire aux gens dans ta tête que tu as ça, mais tu n'as pas. Tu vois? Mais maintenant, moi, là, je suis sur Facebook ici. Tu es dans ton game de tu es star. Je suis dans mon petit chemin. Il fait mon cassement de papo sans rancune, j'avance. Je t'ai chargé ici. Tu as même pris des gens qui t'ont insulté ta mère juste hein, le feu sort. Que moi, j'ai défendu ici. Encore me faire plus d'ennemis, là. Pour les charger. Il t'a déposé. Donc, là, c'est à cause de ta maman, non? Je ne Veuillez veux pas vous venir me abonner faire pour ne rater discussion avec aucune toi sur nouvelle Facebook. vidéo. Sinon, ta nante, toi, tu es mon fou de ça. Et puis, tu sais, tu as notre pour mettre. Faut mettre, arrête de jouer les lâches là. Tu as appelé, oui, j'ai notre tout. Aïe, en train de critiquer Yaka. J'ai notre tout. Aïe, en train de critiquer Yaka. Faut mettre. Apoutchou, mets notre là. Il ne veut plus jamais. Si tu n'as pas mis notre là, que quelqu'un encore m'appelle, me dit que Apoutchou a dit ça. Il vient déposer pour toi. Il te dit ça en même temps. C'est ce que je viens de te dire ce soir, en fait. C'est ce qu'il vient de, il vient te dire ce soir. Si à partir de mon direct, la note que tu as de moi, que je critiquais Yaka, tu n'as pas mis ça sur Facebook, et que quelqu'un m'appelle, on me dit que, ah,
où tu as dit que tu as dit ça, il a enregistré. Je ne vais même plus parler. Quand il vient me connecter là, c'est pour mettre. Il discute toi. Voilà. Évite-moi comme une peste. Faut m'éviter. Continue ta star mania là. Moi, faut m'éviter. Je te dis, hein, quand tu fais tes trucs là, tu ne me vas pas venir parler. Tu ne me vas pas venir t'insulter. Je ne peux pas venir t'insulter parce que tu l'as fait, moi. Je ne t'ai rien fait. Tu as fini de me critiquer en solo. Tu as fini de me critiquer en solo. Tu viens faire direct pour me jeter dans la bouche des loups. Tu m'as vu parler. Quand il fait là, c'est là qu'on me dit que moi, je ne suis pas bonne. Quand je fais, c'est-à-dire que quand depuis tu es en train de faire là, tu me vois parler. Mais il dit que ça ne m'intéresse pas. Je respecte ta maman. Je ne la connais pas. Mais je me dis qu'une fois, cette femme m'a donné un respect. Je n'ai pas à venir me prendre la tête à son fils. C'est à cause de ta maman, hein. C'est à cause d'elle. Sinon, il y a longtemps, toi, on n'en parle plus. Donc, si tu as une note vocale, là, parce que tu te promènes une note d'une personne qui ne t'a rien fait. Qui ne t'a rien fait. On laisse moi, là. La personne ne t'a rien fait. Tu as eu la personne au téléphone. Vous avez discuté. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Je ne sais pas. Tu devais peut-être, je ne sais pas, faire un truc. Tu l'enregistres et tu prends la note là. Tu fais écouter aux gens. Quand tu vois Kofi, tu vois quelqu'un à l'arrêt de bus. Viens, j'ai une note de temps. Tu fais écouter. Tu vois temps. Tu fais écouter. Je ne sais pas. Et puis c'est toi qui es là. Tu dis que je ne vous ai rien fait. Vous me voulez du mal. Je ne vous ai rien fait. Vous m'enviez. Je ne vous ai rien fait. Vous me détestez. Mais tu es un gros lâche. Tu le sais. Tu es un gros lâche. Tu es un faux cul, en fait. Tu es un fake. Apprendre même que tu as discuté moi-même jusqu'à... Non, mais tu es trop... Tu t'es pas bouqué, en fait. Ce que tu es frère, il a faut rien visager. Moi, j'ai fini ta carrière. Voilà, il est là sur la tombe de ma mère. Il était pas là. Sur la tombe de ma mère. Si tu as... C'est là que si j'entends encore, je te donne la permission de mettre... Je te donne la permission de mettre ce que tu as sur moi. Ou tu la fermes à jamais. Tu ne parles pas de moi à quelqu'un. On s'est connus sur Facebook. Ça, c'est gâteau, ça, c'est gars sur Facebook là. Rien à foutre. Est-ce que tu m'as entendu? Rien à foutre. Si tu n'as pas mis note que tu as de moi où je suis en train de parler mal, d'après toi de Yakal, et que quelqu'un m'appelle encore pour me dire que je vous prends un témoin ici. Je vous prends un témoin. Je me suis connectée ce soir parce que j'en ai marre, en fait. Depuis, avant la nouvelle année, j'ai eu une vieille mère au téléphone. Il connaît très bien ma vieille mère. Il allait l'appeler. J'ai eu une note. J'ai enregistré. Aya, je ne sais même pas de quoi il parle. Ma vieille mère m'appelle, me dit que, mais jamais. Voilà, le jour même qu'on parlait, après, Yaka nous a rejoint dans l'appel. On a fait l'appel à trois, en fait. Donc, de quoi il parle? Bon, il n'y a pas de problème. S'il dit qu'il a une note, n'a qu'à mettre. Je voulais parler, mais il faut taper l'œil. Une autre vieille m'encore vient me parler. Oui, après tu m'as appelé au téléphone, me dit que c'est qu'il a sur toi là. Si, quand tu parles, il a dit que, mais il y a quel problème? Il a dit que, appelle-le, et puis c'est qu'il a les nakamets. Oh, le soir encore, on va m'appeler. Non, quand tu allais faire écouter notre. Que tu allais dire à quelqu'un qui est en Belgique là-bas que moi, tu as une. Tu as quel problème, et moi? Faut mettre. Pourquoi tu appelles les gens? Tu es garçon, tu fais une vieille femme, il y a quoi? Tu es ici, tu es ici, tu es là, quoi. Faut te comporter comme un garçon. C'est toi qui as les 100 000 vues, non? Toi, faut mettre. Mets notre là, et puis on n'en parle plus. Tu mets notre où il s'entend, voilà. Et puis voilà, chacun va, on va se faire, on va se faire en cocobaca sur Facebook. Tu fais tes trucs là. Je ne veux même pas, en fait. C'est pas, il est, toi, tu peux rire, tu peux envoyer quelque part. Apparemment, tu dis que quand vous voyez, quand tout le monde m'insulte, est-ce que vous voyez Aya m'insulter? Elle connaît à cause de la note, toi, ça va dans ta tête. Je ne le fais pas à cause de ta maman, oh. C'est à cause de ta maman, c'est tout. Sinon, ce que tu m'as fait avant de partir, là, je devais même te remettre à ta place, même. Mais c'est à cause de ta maman. Avant même que tu allais dire aux gens que tu m'enregistrais, je ne sais pas quoi, je ne sais quoi dans ta tête, dans ton cerveau, là. J'ai appelé ta maman. Avant, c'est le même jour que tu avais tes directs là. Je pouvais sortir pour te répondre. Mais je sais, j'ai des conversations avec ta maman ici. J'ai appelé ta maman pour lui dire, elle n'a qu'à te parler. Parce que maman, elle aussi, je ne veux pas parler, c'est à cause de toi.
Elle m'a dit, ma fille, si tu suis vraiment ta fille, faut le laisser, je vais lui parler. Elle allait te parler, elle est venue faire la commission. Je dis, ok. Donc, quand les gens parlent sur toi, là, moi, si je peux venir parler, après, je passe. Quand les gens même m'appellent, ah, tu sais, c'est quand tu as fait tout ce que je fais, là, c'est demander pardon. Parce que je sais que quand les gens vont te prendre, c'est pas toi, c'est la femme là qui vont insulter. Et moi, ça va me faire mal, en fait. Ça va me faire mal. Elle ne me nourrit pas ta maman. On ne sait pas ma grande copine. C'est pas qu'on est trop proche. Mais moi, je suis tellement reconnaissante envers les gens. Je ne l'appelle pas. Je suis pas une personne qui force dans elle. Elle sait. Mais je suis tellement reconnaissante envers les gens, en fait. Voilà. Le jour, moi, j'ai eu mon accident. J'ai eu mon accident où les gars là, sont tombés sur moi. Ici, là, en France, la dame est venue tomber sur moi pour l'histoire de pommade là. Ta maman m'a appelé. Ma fille, ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Je dis oui. Ah, je suis inquiet et tout et tout. Je suis inquiet. Je dis, maman, t'inquiète pas. Donc, ça veut dire que je vois des gens qui disent que vous êtes jaloux d'Apuchou. Moi, je serai jalouse d'Apuchou là. C'est pourquoi? Je suis jalouse de lui, là, c'est pourquoi? Il serait jalouse de lui, là. Pourquoi? Tout ce qu'il fait aujourd'hui, là, la plus grande majorité, c'est à cause de nous. Précisément, moi. Je serais jalouse de lui, mais pourquoi, en fait? Moi, je ne jalouse pas les gens. Hein. Moi, je n'envie même pas l'homme. Moi, la jalousie, c'est un sentiment même que je ne supporte pas. Même en relation, je ne veux même pas être jalouse, même après que mon gars me trompe, et je serai jalouse. En plus, il y a raison, camaraderie. Aujourd'hui, là, ses abonnés qui l'appellent la nation, là, c'est moi qui lui ai dit, appelle tes abonnés la nation. C'est moi qui ai dit à Poutou, fais des placements de produits. Sa page, c'est moi qui ai créé sa page pour lui donner. Je serai jalouse de lui, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à foutre à Poutou pour être jalouse de lui? Hein? Quelqu'un qui dit quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour. Qu'est-ce que Apuchou a fait pour moi? Ou bien qu'est-ce que. Je serais jalouse de lui, pourquoi? Jalouse de qui? Je serais jalouse de Apuchou, pourquoi en fait? C'est un garçon, moi je suis femme. Si c'était une femme comme moi là. Si c'était une femme comme moi, on peut me dire que je suis jalouse de ma camarade. Un garçon, il est garçon, moi je suis femme. Il va être jaloux d'un garçon par rapport à quoi? Voilà. Donc, ça fait 3 fois. On m'appelle. Parce que quand tu fais, tu le fais en bas, en fait. Sur Facebook, tu te joues les saints. Sur Facebook, tu te joues les innocents. Sur Facebook, tu te joues quelqu'un qui est innocent. Voilà. Quand tu viens et puis tu vois tes abonnés, là, tu fais comme si tu es innocent. Mais tu sais. Tu sais, si tu fais, même je cite le nom des personnes que tu as appelées, pour leur dire que moi, tu m'as enregistré en ton de. Ça fait 3 personnes. Tu sais. Donc, moi, je n'aime pas les lâches. Si tu as des enregistrements, ne te gêne pas. Je suis venue te dire ça, en fait. Ne te gêne pas, il faut les mettre. Tu vois un peu, non? Parce que tes vidéos que tu fais, je pense que ça ne me concerne pas. Tes pics que tu lances, ça ne me concerne pas. Parce que moi, si tu veux parler de moi, tu dis mon nom. C'est parce que les enregistrements, quand on m'appelle, on me dit que Apuchou a dit qu'il a des enregistrements où tu parles. Et ça, c'est mon nom. Fait 3 personnes, tu sais de qui il parle. Tu as appelé ma vieille mère. Tu as appelé ma vieille mère pour lui dire, mes 2 vieilles mères. Et tu es allé expliquer à quelqu'un qui est en Belgique. Ou bien, tu es allé expliquer à quelqu'un qui est en Belgique. Donc, ça fait 3 personnes. Tu sais. Donc, si tu as des enregistrements à mettre, je te donne le feu vert. Il faut les mettre. Parce que moi, on ne me menace pas. Et tu es trop petit même pour me faire du chantage. Voilà. Là, tu as confirmé qui a mis l'eau dans Coco. Fais tes trucs. Fais tes trucs, mais moi, il faut m'enlever des dents. Toi et moi, on ne peut plus redevenir amis. On ne peut plus marcher ensemble. On dit jamais, jamais, mais on ne peut plus. Chacun n'a qu'à prendre son chemin. Parce que moi, quand on insultait ici tes parents, je me suis levée.
et je les ai défendus sans les connaître. Et moi, je t'entends défendre ma mère et tu es venu me traiter de tous les noms. Tu es venu me traiter de médiocre. Donc moi, quelqu'un que je défends ses parents, et moi, à mon tour, je ne l'appelle même pas. Pourtant, toi, tu m'appelles pour défendre tes parents. Hein. C'est toi qui me dis. Et puis, je les défends. Et même si tu me dis, je le fais avec mon cœur. Aujourd'hui, je me suis prise la tête à Chanel T à cause de qui? À cause de toi. J'ai clashé la grande soeur Monique, les batteuses, à cause de qui? À cause de toi. Il y a plusieurs personnes ici que j'ai clashé à cause de toi. Parce que quand on insultait tes parents, je n'aimais pas. Voilà. Mais je ne l'ai pas fait pour attendre quelque chose en retour. Je l'ai fait parce que ta maman, elle, c'est une mère. Elle peut être ma maman et tout, tu vois. Voilà. Et même pas, elle peut être. Elle est ma maman. Voilà, parce que, voilà. Donc, moi, je n'ai pas de souci avec la femme. Et je n'aime pas quand on l'insulte. Tout le monde le sait. Quand quelqu'un fait sa place, sa vidéo pour dire qu'ils vont insulter la femme là, j'ai mal juste quand je ne sais pas où me mettre. Chaque fois, je suis dans le téléphone des gens, pardonnez, arrêtez d'insulter la femme. Elle n'a rien fait. Elle n'est pour rien. Chaque jour que Dieu fait, je n'ai jamais placé mon téléphone ici pour manquer de respect à cette femme. Jamais. Voilà. Et si je ne te réponds pas, c'est à cause d'elle, parce que je sais combien de fois elle t'aime. Tu vois? Me voir aujourd'hui, une fille qu'elle a, elle a appelé comme sa fille hier, en train de venir se disputer avec son fils. Moi, pour moi, voilà. S'il n'y avait pas peut-être ta maman au milieu, peut-être que ça allait arriver il y a longtemps. Je n'allais pas me retenir. Mais comme j'ai du respect pour ta mère, c'est pas la peur, c'est pas un truc. Moi, je respecte les mamans, en fait. Voilà. Je dis tous les jours. Les injures de maman sur Facebook, là. C'est sur Facebook que j'ai appris ça. Moi, avant, je ne peux même pas m'arrêter dans la rue pour dire même à quelqu'un ta mère con. Il ne peut pas. Voilà. C'est Facebook qui m'a appris qu'on peut insulter les parents des gens. Parce que mes parents ont été insultés et j'ai défendu mes parents ici. Donc, toi et moi, là, je ne pense pas qu'on ait un problème personnellement. À part que tu te lèves pour aller parler mal de moi. Tu viens, tu dis, mais dis ça, tu vas, tu dis ça. Trop de jaillerie, entends dans le groupe. Tu as toujours dit que c'est toi, tu n'es pas hypocrite. Donc, moi, j'avais tellement confiance en toi, dit que non, il n'est pas hypocrite. Mais quand je t'entends au téléphone en train de me critiquer, c'est pas qu'on me dit, on me dit, je ne crois pas. Hein. Je discute et je dis, non, c'est pas possible. Il ne peut pas dire ça. Et tu es téléphoné, je suis en conférence, je t'entends en train de parler de moi, mais même pas en bien en fait. Je dis, mais attends, je n'ai pas voulu t'appeler pour te dire quoi que ce soit. Mais c'est là aussi, c'est couché dans mon téléphone ici. Allez, pas à pas et toi. Et puis tu vas sortir ou une fois, moi, t'ai déjà critiqué. C'est de ça qu'il s'agit. Si moi, j'étais déjà critiqué un jour, que quelqu'un est parti te dire que moi, j'étais critiqué là. Tu vois, il n'y a pas de quoi on est ensemble, mais maintenant là, quand les gens viennent me parler, toi, je ne veux même pas. Voilà. Mais quand j'étais avec toi là, où je t'ai déjà critiqué, pour que toi, tu puisses comme ça me salir pendant qu'on n'a pas de problème, tu vas dire ça aux gens et les gens vont voir ton vrai visage. Donc là, si tu as des notes, il faut mettre. Il faut arrêter de donner des commissions pour moi. Chacun n'a qu'à faire son blog. Chacun n'a qu'à faire son blog. Si, si, chacun n'a qu'à faire son blog. C'est ce que je tenais à te dire. Voilà. Ceci étant dit, j'espère que j'ai véhiculé. Si je n'avais pas véhiculé mon message la nuit, il n'y avait pas dormi. Il fallait que je te véhicule ce message-là. Et je sais que tu es sur le direct, tu écoutes, et tu dors pas la nuit comme moi aussi. Donc, à bon entendeur, salut. Si tu as des notes, il faut mettre. En passant par toi, Séni Kramba. Séni, bonsoir, tu vas bien? Ok. Séni Kramba, toi et moi, on a eu un petit souci pour une question d'argent, parce que je devais travailler avec toi pour aider les malades, parce que moi, c'est ma passion. Moi, je fais des tours de façon, je ne viens même pas sur Facebook. Et même si les gens à qui je rends service, quand ils veulent venir sur Facebook, je dis non, je ne veux pas. Je dis non, je ne veux pas. Voilà. Moi, à chaque fois, quand First Magazine publie quelqu'un qui est malade, je prends le numéro, je fais mon don. Voilà. La petite fille qui a été violée, qui est tombée enceinte là, avant que toi, Séni, tu vas t'occuper de cette petite fille-là, c'est Lolo Beauté qui l'avait publié, qui est parti d'abord voir la petite. Et moi, étant ici, les dons que j'ai faits,
il y a une métisse, un Pascal, qui s'occupait de cette petite-là. Elle peut être mon témoin. Mais jamais je suis venue sur Facebook dire que voilà Orange Money, voilà MTN Money. Moi, quand je fais des trucs, je n'attends pas quelque chose en retour. J'ai plusieurs fois fait mes dons auprès de Hassan. Voilà. Mais je n'ai jamais, je ne viens pas pour venir dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je t'ai, je sais pas, déjà tu racontes que c'est Yaka qui nous a présenté. C'est pas vrai. Moi, apparemment, tu as été enfermée par Makoso. Et j'ai eu vraiment pitié parce qu'en ce moment, nous, on était en histoire avec les Makoso. J'avais fait une vidéo. Et quand je fais ma vidéo pour dire que, mais ils n'ont qu'à te laisser tranquille, un jeune qui aide les malades, pourquoi les gens te poursuivent? Et du coup, tu rentres dans mon téléphone, tu étais le premier à m'écrire que bonjour, on m'envoyait ta vidéo, je cherchais et tout et tout. Je dis, mais moi, j'avais intervenu dans l'un de tes vidéos quand tu étais en train d'insulter tous les Benguis. J'ai appelé dans ta vidéo pour dire, arrête d'insulter les Benguis. Voilà, arrête d'insulter les Benguis. Si tu as un problème avec un Benguis, mais faut pas insulter tout le monde. Et on s'est échangé les numéros. Et puis, quelques temps après, je te demandais ce que tu faisais. Tu m'as dit que tu étais... Enfin, je te demandais si tu avais une ONG. Tu m'as dit que tu avais une ONG avec quelqu'un, mais vous n'avez plus l'ONG. J'ai dit, bon, moi, j'ai fait mon ONG, qui est Solidarité Obligée. Et moi, je fais des dons. Même ici, à Paris, ici, je vais faire des dons. Après, moi-même, je ne voulais même pas mettre les dons. C'est une vieille mère qui est ici qui a dit, quand tu fais des dons, quand tu vas faire des dons, il faut mettre. Au moins, les gens aussi vont se mettre la main dans la pâte. Et c'est toi-même, Seni aussi. Quand tu m'as eu, et puis voilà, tu m'as dit, mais tu fais, je t'ai envoyé plein de trucs de dons que je fais. Tu as dit, ah, mais faut mettre sur la page et tout, je dis, mais, tu dis, non, si tu fais les dons, mais au moins les gens voient ce que tu fais. Moi, je fais, moi, dans ma vie, j'ai toujours, toujours aidé les gens. C'est-à-dire que je peux avoir 100 euros ici, là où je suis, là, là. Et puis, c'est mon devant derrière. Quelqu'un va m'appeler tout petit que j'ai problème. Si c'est urgent, je lui donne les 100 euros. Même s'il n'est pas à manger. Moi, j'ai aidé les gens dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai donné, puis j'ai marché. C'est-à-dire que mon seul billet, je te donne parce que je te vois en détresse, puis je marche. Depuis, c'est-à-dire que faire du bien aux gens, là, c'est quelque chose que quand je fais, moi-même, ça me fait du bien dans l'âme. Ça me fait du bien. C'est-à-dire que ça me... Si quelqu'un me demande un truc que je n'arrive pas à donner à la personne, c'est comme si c'est un crédit que je suis moi, en fait. C'est lourd, c'est-à-dire que je vais faire tout mon possible pour pouvoir aider cette personne. Parce que si je ne le fais pas, je me dis que j'ai échoué. J'ai ce côté-là de moi. Peut-être que c'est ce qui fait que quand les gens... Peut-être que c'est tout ce que je fais du bien depuis que je suis Aya sur la terre des hommes. Le bien que je fais aux gens, le bien que je fais et que je n'entends rien en retour. Peut-être c'est à cause de ça que Dieu me protège jusqu'à aujourd'hui. Parce que combien de personnes qui n'ont pas essayé? C'est-à-dire que c'est même pas sur Facebook, dans la vie réelle. Oui, dans la vie réelle. Je dis un jour, moi, je suis partie en boîte, j'étais en ce moment, je buvais la Desperado. J'ai ouvert ma bouteille de Despé. J'étais en train d'aller danser sur la piste et réveiller, ils ont attaché fil du poison, ils ont mis dans la bouteille de Despé. J'ai voulu m'asseoir, bouteille est tombée. Bah, le bout du fil est sorti. On est sur la table. Qui a fait ça? Dieu m'a épargné de beaucoup de choses à cause de mon grand cœur. Je suis peut-être celle-là qui est rentrée dans les clashs, qui a insulté les parents, qui a fait ceci, mais au fond de moi, je suis une très belle personne. J'ai même pas besoin qu'on me le dise. Moi-même, je le sais. Donc, Seni, je t'ai eu au téléphone. Tu m'as dit que tu aides les gens. Moi, tu m'as demandé une somme pour aller voir un malade que tu m'as envoyé. Je t'ai envoyé même plus que la somme. C'est devenu problème. L'argent là, je ne sais pas si tu as retiré, tu n'as pas retiré. C'était devenu tout un problème. Tu t'es mis sur Facebook là. Tu as été le premier à faire direct pour commencer à m'insulter. Moi, je suis venue là, je ne t'ai même pas insulté. J'ai fait un direct pour te dire que quand tu veux faire une ONG, rentre pas dans les injures. Je ne t'ai pas insulté. Hein. Depuis toi et moi, on parle. Je n'étais pas insultée encore. C'est enfin, quelqu'un qui a voulu me défendre dans le temps parce qu'on était... Et la personne a t'insulté parce que tu avais insulté ma mère, en fait. Tu as insulté ma mère. Tu as parlé de la tombe de ma mère. Et ça a touché cette personne-là. Et même si aujourd'hui, je suis en parable de cette personne, ce que la personne a fait dans le temps, c'était juste.
Parce que la personne m'a vu. Comment? J'ai été juste avec toi et toi, tu t'es mise là à m'insulter. Et aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec cette personne. Donc, je n'ai pas venu dire que la personne a mal fait. Non. Tu as insulté ma mère et la personne est venue me défendre. Et après, tu as renversé tout sur la personne. La personne a pris les pots cassés par ma faute. Bref. Il n'y a qu'à essayer de régler ça. On te met ici, tu mets l'homme là. Donne l'argent, tu dis que j'ai laissé l'argent avec toi. Je n'ai même plus parlé. Tu faisais chaque fois des vidéos jusqu'à ce qu'on bloque ta première page, deuxième page, jusqu'à trois pages. Quand tu crées pas, tu as comme tu m'insultais à chaque fois. Je ne te répondais pas parce que toi et moi, on ne parle pas le même français. Moi, mon français est tordu. Mais je ne sais pas ce que toi, tu parles. Tu vois ce que je dis, non? Voilà. Et puis, en plus, tu m'as dit que je suis ta grande soeur. Toi, tu es un petit frère. Moi, mais discute pas les hommes déjà pour commencer. Il ne faut pas parler avec les garçons. On s'y est venu m'arrêter à me disputer un garçon là. Je préfère plutôt être femme parce que garçon, je suis femme. Il va me dire des choses, ça va plus me blesser. Garçon insulte. C'est pour ça que je m'entends plus chez les hommes que les femmes. Donc, en plus, tu dis que tu es mon petit frère, que tu as 23 ans. Tu m'appelais tanti en ce temps. Donc, moi, je suis ta tante. Hein? Tu m'appelais maman Aya, tu m'appelais maman. Maman, hein? Voilà, maman Aya. Bon, moi, je suis ta maman. Toi, tu es le petit frère. Tu as 23 ans. Moi, je suis j'ai 5 ans peut-être de plus que toi. Je vais venir me discuter toi sur Facebook, pourquoi? Hein? Il y a qu'à essayer de faire des conférences. Tu as essayé, tu ne voulais plus rien comprendre. Lui-même, il a pris parti pour toi, il t'a défendu ici. Il t'a défendu pour me laisser. Je t'ai déposé. Maintenant, 2 jours, là, tes vidéos que tu fais, là. Et puis, à chaque fois, mon nom est dans ta bouche, là. C'est pourquoi, c'est né. Il y a quel problème? Ton histoire, là, on parle de quoi on a fait, là. Après, tu m'as appelé. Tu as donné encore, tu as eu le discours. Il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, là, il y a quel problème? Hein? Faut me laisser. Ou bien, il y a quoi? Aïe, à cause de. Aïe, ils ont insulté. Toi, tu n'as pas insulté ma maman. Si tu fais tes trucs là, pardon, parce que toi, on ne sait pas comment te situer. Excuse-moi, mais tu es comme Kodjo. Tu es comme Kodjo. Bah, c'est souvent quand les mamans l'avaient mis Kodjo là. Elles ne savent pas si c'est renversé, si c'est la bonne face. Tu es comme Kodjo. Tu es renversé. De toute façon, on renverse Kodjo pour mettre là. Tu ne sais même pas. Tu sais qu'aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es là. Après demain, tu es ici. Après demain, tu es là. C'est ni grand bas. Et ah, faut me libérer. Tu vois un peu ce que je te dis, non? Moi, je suis ta maman. Moi, je suis ta grande soeur. Je suis ta tante. Tu dis que tu as 23 ans. Moi, j'en ai 29. Je vais avoir 30 ans. Là. Donc, toi et moi, on ne peut pas faire clash. On ne peut pas échanger de paroles. On ne peut pas se disputer. Ce n'est pas possible. Tu vois un peu ce que je dis, non? Donc, faut faire à cause de Allah. Fais tes vidéos sans me mettre dedans. Voilà. Fais tes vidéos sans me mettre dedans. Si tu peux enlever Yaka aussi dedans, là, ça sera mieux. Parce que toi-même, là, il faut savoir te situer. Il faut savoir te situer. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est comme pelle. Tu as comme une pelle qu'on prend pour ramasser pour saleté. De toute façon, on a besoin de creuser la pelle pour ramasser saleté pour mais tu as comme pelle. Aujourd'hui, tu parles ici, tu défends. Demain, on ne sait même pas comment tu es situé. Pardon. Fais tes trucs là. Hein? Moi là, faut pas parler de moi. Tu vois, non? Voilà. Si tu veux me faire bigo. Ah, bigo paya! C'est ni ça va? Mais il ne faut pas discuter. Moi, en ce moment, je suis une femme en couple. Je ne veux pas que les gens parlent de moi. Parce que mon gars, il me regarde. Tout le Gabon me regarde. Tu vois un peu ce que je dis. Donc, fais tes trucs. Fais tes trucs. C'est que l'argent est envoyé jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais rien reçu, 5 francs. Tu ne m'as jamais ramené. Je t'ai laissé. Parce que toi, tu ne charges pas bien. Ton chargeur, là, ça a guidé. Ton écran guidé.
La télécommande, on prend pour te zapper, là. Ça marche pas trop. On est obligé de taper pour pouvoir changer la chaîne. C'est-à-dire que pour changer tout dans ton cerveau, on est obligé de taper la télécommande. C'est compliqué. Ton affaire est compliquée. Mais je tenais à te dire, quand tu es un homme, c'est pas pour tu es un petit frère. Parce que tu as dit que si ton petit frère, tu aimes juste ta grande soeur. Quand tu es un homme, il faut avoir ta dignité. Tu vois. Des gens qui n'ont jamais été là pour toi. Il faut savoir toi-même te faire te créer, te fabriquer quoi. Il faut arrêter de voir vivre sur les autres. Tu vois ce que je t'ai dit? Arrête. Voilà. Aujourd'hui, quand toi tu en parles avec telle personne, demain, si la personne tu tentes. Non. Il faut avoir la personnalité, c'est important. Les Agni, là. Moi, ma maman Agni. Tu vois. Ma maman Agni. Tu vois. Les Agni ont beaucoup de fierté. Les Agni ont beaucoup de fierté. Mais je ne sais pas si toi, ta fille. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Tu es quel genre d'Agni? Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, si tu veux faire tes trucs, là, il ne faut pas que tu aies parlé de moi. Faut parler de tout le monde. Moi, il ne faut pas parler de mon pardon. Tu vois, non? Voilà. Faut pas parler de moi. Surtout tes conneries, tu es en train de faire deux jours là sans tête, sans queue, qui n'a ni tête, qui n'a ni queue. Tu t'en vas en arrière bourrette qu'on pousse là. Faut pas tu vas me mettre des temps. Voilà. C'est ce qu'il était à te dire aussi. Maintenant, toutes les copines de Fairy Song qui m'appellent, enfin, qui m'envoient des messages et qui vont dire que je sors avec lui ou fais des faux profils quand il poste ma photo pour te l'insulter là. Quand je l'ai connu là, il m'a dit qu'il est célibataire. Si vous voulez, quand je l'ai dragué sur Facebook là, il m'a dit qu'il est célibataire. Un enfant, une jolie, une fille, une princesse. Voilà, une très belle fille. Donc, je me base sur ça. Vos histoires de Aya, vous allez aller l'appeler pour dire que Aya est venue par bateau. Vous n'avez rien dit. Moi, je suis venue sur parachute. C'est de bateau vous parlez. C'est quoi qui est bateau? Vous me considérez pourquoi? Moi, je suis venue sur parachute, sur antenne parabolique. Les fils de canal de Boribana là, 2500, 1500 par mois là, c'est juste ça. Je suis venu. On m'a mis sur fil là, je peux pas bon canal parce que les vrais canals de qui coûtent cher où tu as le décodeur là. Non, je vous parle des canals où il y a beaucoup de fils dans le quartier à Boribana qui souvent 750 la semaine et puis 1500 le mois là. C'est sur ça, moi, je suis venu. C'est ça qui est dans mon oreille, là. C'est ce qui m'a... Il est pour attraper mon cou. Et puis, les poissons, là, m'ont accompagné pour venir, moi. Vous n'avez rien dit encore. Vous n'avez rien dit encore. Voilà. Vous n'avez rien dit encore. Ceux qui prennent l'avion pour venir, là, vous avez une place au paradis. C'est clair, si on est versé en France, ici... Quand on va à la préfecture, on ne dit pas que tu es venu par avion, l'autre est venu. Non, il faut passer ici. On est tous là. On est en France ici, on est là. On est dans le pays, là, dans la fraîcheur. Le pays de Doliprane et Parastamol. Donc, laissez-moi dans ma relation. Voilà. Laissez-moi dans ma relation. Il est messo. Il est comme écouteur de téléphone, de chargeur. Il est comme fil de chargeur. C'est ça, moi-même, je veux. Moi-même, je suis déago. Pas aller prendre un gars qui a venu m'étouffer. Il faut un gars, mais ça fait chic. Regardez comment je suis assise là. Rempli, plein de chair sur moi là. Je vais aller soulever un gars qui est comme barrique. Les anciens barriques. Modèle Babo là. Et puis, je vais où est ça? Il est mince. S'il ne peut pas me soulever, je vais le soulever. Parce que femme soulève aussi garçon. C'est de ça qu'il s'agit. S'il n'arrive pas à me soulever pour me prendre, de toute façon, on prend les petites filles dans les c'est-à-dire que tu as ton chic petit modèle, petit poisson, et puis tu prends ton petit poisson là. Moi, je suis une baleine. Je veux dire que je suis la baleine bleue.
Voilà. Donc, s'il n'arrive pas à me soulever, moi-même, je vais le soulever. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, laissez mon couple. Laissez-moi dans ma relation, hein, mon chéri, là. Votre bouche, vous êtes dedans en train de parler dans ma relation, là. Moi, je ne fais pas buzz. Je suis dans une vraie relation, pas buzz. Voilà. Ce n'est pas vos buzz de Makoso et Créole, là. Ce n'est pas ça. Moi, ici, dans ma relation, je suis fond du gars. J'ai tout laissé et puis je suis avec lui. Je l'attends, il vient bientôt, là. Voilà. Il faut me dire, je me suis déclarée en même temps. Vous allez partir quoi? Ferissant, elle est venue par bateau. Elle a nagé. Vous avez dit quoi? Moi, je suis venue sur antenne parabolique. Les anciens, même pas, les anciennes télé, vous voyez les télé blanc-noir, les fils d'antenne qui étaient dessus des TI, là. Les antennes blanc-blanc qui étaient sur les télé, qu'on zappe ça et tout là. Les antennes, long antennes, là. C'est ça, là, moi, je suis montée dessus, puis je suis passée sur le bout. C'est ça qui m'a... Il savait que j'étais sur le bout de l'antenne. Et puis, les poissons, les requins, les tilapias, les crabes. Parce qu'il faut que je parle de la grande famille crabe. Il ne faut jamais que je les oublie. Ils m'ont accompagné pour me jeter en Espagne. Ça vous fait mal. Mais tuez-vous. Mais le problème est que, là où je suis, là, vous avez pris vos jets privés. Vous avez pris votre jet présentiel. Mais je ne suis plus belle et classe que vous. C'est le vrai point qui est là. Et puis en France, ici, là, je suis reconnue. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas, en matière de style, il y a vous tuer. En matière de se tenir, ce n'est pas mes conneries folles, folles, les faire sur Facebook pour attirer les abonnés, là. Moi, quand je vais dans un coin classe, ce n'est pas ce langage-là. OK? Il y a des gens même qui parlent avec moi au téléphone, me disent que c'est toi qui parles sur Facebook là. D'accord. Donc, le savoir-vivre, la manière, le genre, le petit chien, le truc, je l'ai. Je fais 1,74 m. C'est-à-dire que moi aussi, ils me prennent, ils m'envoient au Gabon. C'est le président gabonais mais qui a dressé le tapis pour moi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les Gabonais, là, ils ont fini la couture. Ils sont très, très courts. Vous ne pouvez pas créer comme elle. Écoute, on dirait. Elle, quand tu la vois, elle est bien ronde. On dirait une petite boule. Moi, j'ai la taille. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc, laissez-moi dans ma relation. Tout ce que vous êtes en train d'appeler pour dire que. Aïe, ceci. Aïe, cela. Et puis, je vois Majesté. C'est pas qui t'en dirait blocage de Ziké là. C'est un délire, le blocage de Ziké là. Attends, le Dieu Père Ziké, quand il faisait ces blocages là. Pas qui de majesté, sa vilaine tête, on dirait ton fils, ils ont bien lissé là. Si je ne réponds pas à majesté là, c'est parce que je n'ai pas envie de trop parler en fait. Parce que c'est un grand frère. Il dit que moi, je ne me discute pas les garçons. Donc, majesté dans sa tête, il pense que moi. Faut arrêter de faire raconter aux gens que moi je suis pas, moi je suis pas désiré. Je suis pas mari des gens. Moi, je sortais avec le gars là, il ne savait pas qu'il était marié. Donc, vos conneries d'association de groupe, vous allez faire pour aller raconter, jusqu'à aller faire délégation, pour dire que petit potin, petit potin, petit potin, pour dire que frère son n'a qu'à venir s'asseoir, vous allez lui expliquer ma vie là. Lui-même, quand je vais finir de lui expliquer ma vie là, il va, quand je vais finir de lui expliquer, s'il veut savoir ma vie, il doit venir à la pharmacie. Vous n'avez pas dit clinique. Il doit se déplacer à la clinique. C'est-à-dire qu'il y a clinique à côté de lui, à la pharmacie pour payer les médicaments. Quand je vais finir de l'expliquer, là, il sera hospitalisé. Il aura ses médicaments. Et puis quand il va finir, il va me dire s'il veut encore qu'on explique ça, ma vie. Donc, laissez. Parce que moi-même, ce que vous expliquez, ce n'est pas ça. Moi-même, j'ai envie de l'expliquer. Je vois son petit corps, là. Je n'ai pas envie que son sachet quitte sur lui. Parce que si je veux l'expliquer ma vie, ils vont l'envoyer en réanimation. Donc, on n'a qu'à laisser ma vie là. Et puis, on n'a qu'à vivre la vie de l'offre qu'on est dedans. C'est ça que ça. Ils vont l'envoyer. C'est-à-dire qu'on doit déplacer clinique pour lui. C'est-à-dire qu'il y a clinique, il y a pharmacie en même temps. Parce qu'ils vont le réanimer, en fait. Si moi, je parlais de ma vie, après, ils vont l'envoyer en réanimation. Donc, ma vie là, il n'a qu'à laisser. L'amour, les choses de l'amour.
Donc, ça a pris ça a pris mon cœur jusqu'à. Mais quand j'entends parler de lui, mes papilles sont congelées, on dirait glace, ils sont en train de sortir dans le congélateur. Et puis, je suis là, je pense à lui, et puis je n'arrive pas à vivre, je ne peux pas vivre sans lui, là. C'est de ça qu'on doit parler. Ma vie, là, il n'a qu'à laisser. Parce que c'est que les gens l'expliquent, là. On n'explique pas. Moi-même, si j'explique ma vie, lui-même, ils vont l'envoyer en réanimation. Parce qu'il va me demander, toi, comme. Tu sais que ton modèle, c'est ta vie, là, que là, tu te promènes. On peut avoir une vie comme ça, et puis on traîne mal ça. Ah, je vois les gens. C'est que moi, ma vie, là. Moi, ma vie. Officier, même pas taper PV de ça. S'il y a PV à taper, là. Les officiers, dès que même si sans commissariat, on ne peut pas finir de taper mon PV. Le PV de ma vie, là, c'est trop lourd. C'est lourd, on n'a qu'à laisser. On n'a qu'à laisser. C'est pour ça que moi-même, je laisse pour moi et puis je parle de pour les autres. Donc, laissez. Vous ne savez pas que moi-même, que je suis assise là. Là. Donc, c'est pour vous dire ça. Laissez-moi dans mes choses de l'amour. Laissez-moi aimer le jeune. Laissez-le m'aimer. Aimons-nous vivants, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il n'a qu'à m'aimer, on va s'aimer. Et puis on s'aime, et puis on s'aime. L'amour, on continue, on vit les choses de l'amour. Si ça arrive aux choses du mariage, comme Coco Emilia, si mes parents ne sont pas venus, tant que la bague est là, si ses parents aussi au Gabon disent que la fille, elle a trop parlé, des gens, on ne vient pas. Tant que la bague est là, on n'a pas besoin des parents. Au stade où on est arrivé là, on se marie sans parents. Si je dis qu'à un moment, je dois me marier, que tu as dit que. Le gars là, je ne l'aime pas. Ça, c'est toi qui ne l'aimes pas, mais moi, je l'aime là. On va se marier. Les choses de Francis Mvumba, c'est de ça qu'il s'agit. Ses parents ne sont pas venus, mais il a marié sa chose. Les histoires de non, mes parents ne veulent pas. Non, 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 non. On est en 2021, c'est la jeunesse. Voilà, vivons les choses du mariage sans les parents. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vos gueules, vos tribes gueules, c'est moi qui ai dit ça. Et tout le volume possible. Voilà. N'importe quoi. Ceci étant dit, je pense que je vais vous libérer de mes directs là. Oh. Excusez-moi une petite minute. Excusez-moi. Papa est direct là, attends. Écoutez un peu. Les produits sont disponibles. Hein. Les produits jus d'orange sont disponibles. Pour avoir nos produits, contactez-moi les numéros qui sont épinglés là. Et maintenant, attends, je diminue d'abord. Et maintenant, il n'en reste plus assez. Hein. Voilà tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste. Donc, les parfums. Vous savez, si je fais la promo continue, deux parfums achetés, un parfum offert. Donc, deux parfums à 60 euros. Et puis, je vous offre un parfum. Donc, vous avez trois parfums carrément à 60 euros. Donc, vous pouvez me joindre au plus 330, plus 3, 333, non, enfin, pardon, 37, 58, 47, 96, 73, ou le 0, plus 336, 05, 94, 03, 62. Pour avoir les produits, enfin les différents produits et les parfums. Pour les mèches, je ne vends pas. Arrêtez de m'appeler pour me dire que non, Aya, on a vu tes mèches, je ne vends pas mèches là.
Moi, je ne vends pas. Voilà, les mèches, c'est dans la. MKN Beauty. Voilà, boutique maintenant. Je sais que c'est plus bar, c'est devenu boutique. Voilà. Donc, ce sont eux qui vendent ces mèches-là. Et c'est situé à Abidjan, 7e tranche, en face d'Ariel Group. Le numéro, le 02, enfin, le plus 225 qui est juste en bas, c'est ce que vous prenez, vous contactez et vous achetez. C'est de très bonne qualité en tout cas. Moi, je mets ça tout le temps. Voilà. Je n'ai pas besoin de mettre des produits. Moi, je ne mets même pas de produits comme ça dans mes mèches. Si je fais les soins de mes mèches et tout, après, c'est que de l'eau. Voilà. Le jour où je vois, je sens que ça colle un peu, je fais les soins. Je fais les soins tous les 2, 3 semaines. Après, j'utilise que l'eau. Voilà. Et je ne fais même pas de brushing. Ça, je n'ai même pas fait de brushing. C'est pour ça que vous allez voir que c'est un peu. Voilà, je n'ai pas lissé. Donc, ces mèches sont de très bonne qualité. C'est pour ça que je continue de faire la pub. Les gaines aussi sont disponibles. Vous pouvez appeler ces numéros-là pour pouvoir avoir nos produits de ce jus d'orange, les parfums et les gaines. Je tenais à préciser aussi que je ne fais pas d'envoi en main propre. Tout se passe avec la poste. Voilà. Donc, il faut préciser ça parce que les clientes, là, quand vous appelez à tout moment, c'est pour. Voilà. Et encore, les numéros qui sont là, ce n'est pas pour qu'on vienne me draguer. Donc, vous qui voulez me contacter pour discuter avec moi, contactez-moi sur mon Snap. Mon Snap, je réponds à tout le monde. Malgré que j'ai tellement de messages sur Snap, mais je réponds à tout le monde, en fait. Là même, j'ai encore 2000 et quelques messages en attente. Mais je prends mon temps et je réponds à tout le monde. Donc, vous m'écrivez sur Snap pour tous ceux qui veulent peut-être discuter avec moi ou vous m'écrivez sur la page. Sur cette page ou sur mon Instagram, Aya Robert officiel. Mais mes numéros là, c'est pour vendre des produits. Mes numéros là, c'est pour faire mon commerce. Ce n'est pas pour que quelqu'un m'appelle pour me draguer. Voilà. Donc, et ceci étant dit, je suis déjà en couple. Je suis très amoureuse de mon chéri. Donc, les petites dragues là. Voilà. Et vite fait, parce que Créole, je ne voulais même plus parler d'elle. Je voulais plus parler d'elle parce que j'ai vu un de ses commentaires, tu as supprimé. Créole, je sais pas, pourquoi tu es contre ma relation en fait? Tu étais avec Makoso et Simon, je n'ai pas parlé dedans. Je ne t'ai pas dit pourquoi tu es avec Makoso. Mais apparemment, tu es contre ma relation. Voilà, tu viens me faire des commentaires sur ma page. Mais tu es contre ma relation, c'est-à-dire par derrière, tu ne veux pas de la relation. Mais franchement, ce n'est pas toi qui décides en fait. Tu vois? Faisons que c'est un grand garçon, il sait ce qu'il fait. Il sait un peu comment je suis sur Facebook. Il y a des gens qui sont allés lui parler de moi. S'il a décidé d'être avec moi, il est avec moi en créole. Moi, j'ai parlé de toi ici sans rien attendre en retour. J'ai même fait ta pub ici. J'entends les gens disent que c'est eux qui t'ont donné les millions de vues, mais je suis désolée. Moi, je n'ai pas à venir dire que c'est moi qui t'ai donné, mais tu sais qu'en 2 jours, j'ai commencé à parler de toi. Je mettais, ils disaient que, ah, elle n'a même pas 1 million de vues. Dès qu'il a fini de parler de toi, ils sont allés te donner mieux. Et c'est moi qui ai commencé à montrer. J'ai été celle-là même qui a montré sur YouTube que tu n'as pas encore 1 million de vues. J'ai pris mon téléphone, c'est tous les directs que j'ai fait pour toi là. Donc, je ne sais pas, apparemment tu es contre ma relation. Apparemment tu ne veux pas. Apparemment tu dis au gars que tu ne veux pas. Pourtant tu es dans mon pays, tu es bien accueilli dans mon pays. Et tu côtoies des gens dans mon pays. Tu es dans une relation avec Makoso. Moi, je ne me plains pas de ta relation. Makoso m'est venu m'écrire, arrête de parler de ma femme. Comme c'est un vieux père, je dis, ok, je vais arrêter de. Il dit que d'arrêter de trop parler sur toi. Il est venu faire jalousie dans mon inbox ici. Maintenant, moi, tu es venu. Je suis allée sur ta page. J'ai vu qu'il y a un jeune qui est frais, qui est chic. Je le veux. Tu es fâchée. Ah, maman, on peut faire ça. Attends, tu es sur ma terre. On peut faire ça. Hein? Quand tu es contre la relation, mais carrément en fait, t'es sérieuse là? Bois l'eau créole. Parce que tu veux ou tu veux pas, il sera mon goût. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc la famille, je vous souhaite une bonne nuit. Merci. Merci de m'avoir suivi. Et comme je l'ai dit, c'est pas que j'ai quelque chose contre Stéphane. Parce que, en fait, à Poutou, il m'intéresse plus en fait. Tu vois, moi-même, ça ne me plaît pas de placer mon téléphone pour parler de lui, en fait. Je ne veux pas ça. Mais c'est un peu trop hypocrite de tout ce que je reçois. Et je n'ai pas envie d'aller écrire à sa maman, maman, tu vois. Je me dis que quand on s'est connu, sa mère n'était pas là. C'est après que j'ai connu sa mère, tu vois. Vous voyez du moins. Donc, on va régler ça. Qu'il sache que moi, je suis comme cabri mort. Moi, il n'y a rien qui me ferait. Je n'ai peur de rien. Voilà. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Sur la terre ici, là, s'il y a peur d'une chose,
C'est le sommeil. Parce que c'est dans le sommeil qu'il y a la mort. Et puis Dieu qui est là-haut. Même mes parents, je n'ai pas peur d'eux. Mais je la crains, mais je les respecte. Je n'ai pas peur de mes parents. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Vous me voyez, je place mon téléphone et puis je parle des gens. Ce n'est pas parce que ces personnes-là, je les moyens trop. Hein, mais quand j'ai envie de dire quelque chose, je dis ce que je pense. C'est vrai que c'est dangereux de parler de nos jours des gens comme ça, en fait. C'est que quelqu'un peut te tirer une balle dans la tête. Quelqu'un peut te faire du mal. Vous voyez? Mais je me dis que si quelque chose m'arrive, c'est que c'est pour une bonne cause. C'est qu'il y a une vérité que je devais dire, que j'ai dit. Je ne suis pas faux cul. Je ne suis pas lâche. Je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas manipulatrice. Voilà. Et tout ça là, je n'aime pas. Je n'aime pas la manipulation. Je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas les lâches. Je n'aime pas les faux culs. Je n'aime pas. Moi, j'ai des gens avec qui je ne parle plus. On ne se parle plus. Mais je ne parle pas d'eux. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais entendre que malgré qu'on ne se parle plus, je suis allée les critiquer. Parce que comment je décide de ne plus te parler là? Pour moi, tu es morte et enterrée. Tu ne m'intéresses pas. Même si je dois aller dans un coin que tu es là-bas, je ne vais pas là-bas. C'est-à-dire que je ferai tout pour ne pas que nos chemins se croisent. Parce que je suppose qu'on n'a plus rien à se dire. C'est pour ça que moi, quand je coupe bouche LM, c'est vilain. Je suis comme ça. Voilà. Si je ne parle pas avec toi, c'est-à-dire que même tes fréquentations, je les évite. Même si on a des amis en commun et que tu es avec ces amis-là, je préfère te laisser avec eux. Tu ne vas plus me voir avec eux. Je suis comme ça. Quand je coupe bouche à quelqu'un, je ne suis rien, je n'ai rien peut-être. Je suis peut-être sous-estimée parce que je suis une personne très ouverte. Je suis une personne free. Je n'ai pas de complexe. J'accueille l'homme, peu importe que, comment tu es, je te prends comme ça. Si tu m'as montré que tu es avec moi, je te montre que je suis avec toi. Les gens pensent que je suis trop bête. Et il y a des gens qui profitent de ça pour pouvoir, on va dire quoi, pour pouvoir, je dirais quoi, se foutre de moi en fait. Il y a des gens qui abusent de ma confiance. Il y a des gens qui abusent de moi, qui abusent de ma gentillesse. Il y a des gens qui viennent profiter de moi. Mais quand je les regarde, ils me font rire. Parce que moi, je reconnais les faux culs. Et je ne dis pas au revoir. Quand moi, je décide de ne plus te parler, je ne te donnerai pas de raison. Je m'en vais et je m'en vais. Donc, franchement, je n'ai rien du tout contre Apuchou qu'il enlève ça dans sa tête. En tout cas, ceux qui pensent que... Ils pensent que moi, en tout cas, je ne fais pas partie des gens qui sont jaloux de lui. Voilà. Je ne pense pas qu'il y a qu'avec le luxe qu'il a là, il sera aussi jaloux d'Apuchou. Il a juste la haine du fait qu'il a accueilli Apuchou dans son cœur en tant que son petit frère et que Apuchou l'a jeté dans la bouche des gens pendant qu'il était en train de défendre sa mère. Quand je le vois aujourd'hui en train de se débattre pour défendre sa mère, je dis mais tu es injuste. Tu ne peux pas nous jeter dans la bouche de loup parce, pendant qu'on défendait notre maman. Et aujourd'hui, tu défends. C'est bien beau de défendre ta mère parce qu'elle a envie. Mais nous, notre maman qui est décédée de la défendre, tu as commencé à nous jeter dans la bouche des gens. Tu as commencé même à te rallier avec des gens. C'est ça la mauvaise personne, en fait. Voilà. Mais bref, Yaka, il a juste mal pour ça. Et maintenant, tu ne viens pas. Tu finis de faire ça, hein. Tu finis de dire que nous, on est les gens d'à côté. Nous, on torpille les gens. Nous, on dénigre les gens. Tu nous fais... Tu dis qu'on est, nous sommes des personnes médiocres, nous sommes des personnes sans cœur, comme si nous, on t'avait déjà fait quelque chose de mal. Et tu finis ça, tu as ta popularité, tu ne viens même pas t'excuser auprès de nous. Franchement, les amis, c'est vrai qu'on n'est plus amis, mais peut-être que ce que je vous ai fait vous a fait mal. Franchement, je suis désolée. Et puis tu restes dans ton coin. Tu pourrais même partir du groupe sans même faire tout ce que tu as fait, tout ce tapage que tu as fait avant de partir, en fait. Sans le faire, parce qu'on ne t'avait rien fait en fait. C'est toi qui m'as fait du mal et c'est toi encore qui m'as jeté dans la bouche des gens. Donc quand les gens ils prennent des trucs en cours, parce qu'aujourd'hui tu as des milliers de personnes qui te regardent et qui ne savent pas le début d'une histoire et qui nous traitent de jaloux, j'ai envie de rire. Moi je ne peux pas jalouser quelqu'un dans ma vie. Je ne peux pas envier quelqu'un. Je ne peux pas, je ne suis pas là, je ne suis pas profiteuse, je ne profite pas de l'homme. Demander l'argent aux gens, c'est quelque chose qui me gêne. Il ne peut pas me dire que si je suis coincé, qu'on est trop proche, je peux dire crédit. Crédit que donne-moi. Je suis gênée, en fait. Donc, je suis quelqu'un, je suis toujours dans mon coin. Toujours dans la maison. Je ne vais pas, à part aller voir les Cathy, qui est ma famille.
enfin, Cathy, Vanessa, tout ça, ou ma copine, ma camarade que j'appelle ma camarade milliardaire, que je connais depuis des années et tout, je suis toujours dans mon coin. Je ne traîne pas chez les gens. Je suis dans mon coin. Ta maison ici, là. Je suis couché là, je regarde la télévision. Matin, je me lève, je vais faire mes envois. Si j'ai des petits gombos à faire, je vais gérer mes petits gombos. Évidemment que je fais mes petits trucs. Je vais faire mes petits trucs, je viens à la maison tranquille. Je ne suis pas dans l'amitié, je ne suis pas dans la camaraderie parce que la France m'a appris beaucoup de choses. Et de base, même, je ne suis pas quelqu'un qui aime charger, charger. Si je t'aime, je te chasse. Si je ne t'aime pas, tu ne vas jamais me voir sur ton chemin. Je suis comme ça. Et à Apoutou, je l'ai vraiment chargé. Parce que pour moi, c'était un frère d'une autre mère. Mais aujourd'hui, on a décidé de ne plus être ensemble. Ce n'est pas la guerre. Mais on va toujours vouloir parler de nous parce qu'on a partagé des choses ensemble. Ce n'est pas de la jalousie, ça. Mais quand il se lève et qu'il prétend dire aux gens qu'il m'a enregistré, qu'il a des voices, mais qu'il les mette. Il ne faut pas qu'il donne des commissions. Moi, j'appelle ça de la lâcheté, en fait. Moi, je ne vais pas l'appeler. Oui, allô, tu aimes. Non, tu as des voices de moi, tu les mets tranquillement pour te libérer. Peut-être que ça va te faire un régime, en fait. Mais si tu es complaisant avec, ça va libérer ton téléphone. Si tu m'as enregistré, bah, il faut les mettre. Parce que ça va te donner de l'espace dans ton téléphone. Parce que peut-être ça, tu as ça dans ton téléphone, tu n'as plus d'espace. Il faut essayer d'enlever ça, de mettre ça sur Internet. Au moins, quand tu finis de mettre, après, tu peux mettre ça à la poubelle ou bien tu peux mettre ça sur tout le monde. Je ne sais pas, en fait. Peut-être ça va te faire maigrir ou bien, je ne sais pas, ça va te donner du plaisir. Je ne sais pas, moi. Mais tu fais ce que tu as à faire. Mais va plus donner de commission à quelqu'un pour moi. On m'a donné la commission, moi, il vient faire direct pour te dire, si tu as des choses à mettre là, il faut mettre. Tu as compris? Voilà. C'est ce que j'étais là à te dire. Sinon, continue ton chemin. Je n'ai rien contre toi. Bon vent. Dieu n'a qu'à nous donner longue vie pour que chacun de nous s'est arrivé au pays là, comme j'ai toujours dit. Ici, on est venu se chercher. Le vrai bim se passera au pays. Ce que tu vas faire dans ton pays, ce que tu vas faire pour ta vie dans ton pays, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de venir parler sur Internet là, qui est le bim. Le vrai bim, c'est ce que tu vas réaliser. Mon papa m'a toujours dit, on va tout dire de toi. Mais si tu as raté ta vie, c'est la faire tout pour réussir ta vie, pour montrer à tous ceux qui ont parlé de toi là, que toi, ta vie est un exemple. Donc, je suis sur ce chemin-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Apoutou, je n'ai même pas ton temps. Je n'ai même pas ton temps. Moi, je me débrouille avec mes peu d'abonnés que j'ai ici. Je n'ai même pas ton temps, tu le sais. C'est toi qui parles de moi. Et on vient me dire, je ne parle pas de toi. Je parle de toi quand on me donne on me laisse des commissions te concernant. Voilà. Sinon, bon vent dans ta carrière mondiale de star internationale que tu es devenue. Dieu merci pour toi et ta famille. Moi, je n'ai rien à gagner dedans, donc je ne peux rien t'envier. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Je pense qu'on a été clair. Restez connectés demain, dans l'après-midi. On va biper Christine, la DJ. Avec tous les DJ que j'ai sortis, eux, là. Il y a deux qui ont confirmé que c'est la BTP qui s'est passée devant moi. Et puis, il a lui dit son vrai nom. Il a dit le vrai nom de ces personnes-là aussi. Voilà. Le soir, on a parlé un peu de biscuit. Mais je vais vous dire que biscuit, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime biscuit des mères, j'aime sa classe. Mais vous voyez, vous dites que, Aya, toi, les gens que tu aimes là, tu parles pas d'eux. Maintenant que je veux casser un peu papa, si quelqu'un même que j'aime, il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas que j'aime biscuit. Moi, mon affaire des biscuits, tu peux. Mais, s'il y a les vrais, les papos à casser, parce que vous m'avez dit que d'être impartial, hein, de ne pas protéger d'autres pour laisser l'autre. Parce que vous avez dit, on va casser le papa, mais n'empêche que ça ne touche pas parce que ce n'est pas biscuit qui est le problème. C'est le mari là qui est le problème. Sinon, Biscuit, elle est tranquille. C'est juste une femme amoureuse qui est mariée, qui veut juste être heureuse, qui sera encore une autre, qui attend son deuxième enfant. Donc, j'ai rien contre elle. Donc, restez tranquille, les Camerounais. Vous êtes sur nos stars. Si on parle un peu de pour vous là, ça fait quoi? Vivez le nom. On se pense sur les chics affairés mondiales. Vous connaissez le nom chic tiré de 8 affairés. Abonnez-vous sur ma page Instagram parce qu'on fera des directs là-bas aussi souvent. Je vous souhaite une bonne nuit. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Et sachez marcher. Ne vous confiez pas à tout le monde. Ne prenez pas tout le monde pour ami. Ne prenez pas tout le monde pour camarade. Parce que l'homme noir est mauvais. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Ton sorcier, il est à côté de toi. Il creuse. Ton démon, il est à côté de toi. Il creuse. Donc faites attention à vous.
Protégez-vous au maximum. Ne pas vous donner à tout le monde. Sachez comment mettre les pieds, que ce soit en amitié, en relation, dans la famille. Sachez comment marcher. Voilà. Parce que tout ce que vous voyez, que nous, maman, on vit sur Facebook, là, ça doit vous donner des conseils, vous les abonnés, là. Nos amitiés, on fait sur Facebook, après, on se divise sur Facebook, là, ça doit vous donner conseil. Voilà. Ça doit vous donner conseil. Ne prenez pas ça comme un exemple, mais plutôt un conseil. Et puis, sachez marcher. OK? Voilà. Apuchou, ça sera ma dernière fois de parler de toi. Sache-le. Mais je veux que tu mettes la note là. Si tu mets la note, c'est bon. Si tu ne mets pas, d'après toi, la note que tu as, parce que moi, je ne sais pas de quoi tu parles, mais c'est devenu trop un chantage. Donc, je veux bien savoir aussi, parce que je ne sais pas. Voilà. Donc, il faut mettre, ou soit tu ne donnes plus de commission pour moi, parce que la prochaine fois que j'ai une commission te concernant, je viendrai éclaircir les choses sur Internet. Pour l'instant, je mets ça au frigo. Prenez soin de vous et puis bonne nuit. On se dit à